été un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce sommet mondial à Climate Change parce que le changement climatique est une réalité et que l'on doit connaître de plus en plus, on doit mieux connaître. Je crois qu'il est temps qu'au niveau de nos différents pays, de nos différentes régions, de nos villages, même qu'on puisse vraiment prendre mieux conscience de l'influence du changement climatique sur nos vies d'abord, sur nos réalités et sur les déplacements. En général. C'est pour ça que cet atelier m'a spécialement intéressé, la question des réfugiés climatiques, parce que c'est un concept qui n'est pas encore bien cerné et qu'il faut nécessairement que nous puissions tous ensemble mieux éclaircir cela pour que l'on puisse aller dans le sens vraiment de reconnaître le statut des migrants climatiques ou des réfugiés climatiques dans cet éventail si large de la migration en général. C'est là où moi j'ai voulu quand même apporter un peu ces réflexions-là, déjà en reconnaissant que les migrations au niveau africain, notamment, sont internes, sont beaucoup plus internes qu'extra et africains. Et il va falloir reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte pour pouvoir vraiment corriger certaines choses et mieux sensibiliser les peuples, aussi bien que l'implication nécessaire de l'État, mais aussi des acteurs privés. Il faut nécessairement que nous passions des discours théoriques à des réflexions, à des propositions réelles d'action. Et c'est là où les différents échanges doivent aboutir à des propositions concrètes. Donc, nécessairement, moi, je crois que ce sommet contribue grandement à ce que des éléments beaucoup plus concrets puissent être menés et puissent être emportés pour la COP23 de Bonn.